Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 23 janvier 2024. 7h59, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tous ceux qui vous entourent, tous ceux que vous voyez, euh, soit tous les jours ou à l'occasion, euh, à quelques heures par semaine, tout ce beau monde-là que vous voyez, je pense que la majorité des gens attendent quelque chose de gros, s'attendent à quelque chose de gros. Un cataclysme. Des, une anarchie qui s'installe quand tu regardes ce qui se passe euh, politiquement. 2024 va être une année complètement folle. Ce que tu vois aussi avec les changements climatiques. Et toute la tension qui peut régner partout dans le monde. On s'attend à quelque chose. Une guerre mondiale, une attaque nucléaire, une attaque quelconque. Et, franchement, c'est pas... C'est pas surprenant. Donc, il y a cette espèce d'ambiance qui règne. On fait nos affaires, on essaie d'ignorer <coughs> tout ça, mais quand tu parles avec les gens, euh, dans le blanc des yeux, c'est ça le sentiment profond. Maintenant, l'activité solaire, le soleil, c'est ce qui est le plus important dans le contrôle de ce qui se passe sur Terre. Avec d'autres facteurs aussi, le courant gel, l'espèce de de courroie aussi hein, euh, de la mer, qui fait circuler tout ça, euh, c est, c est, cette euh, température dans la mer et l'autre dans, euh, dans la haute atmosphère. Mais le Soleil a un rôle majeur. On est dans le 25e cycle solaire, <coughs> un cycle qui, qui peut atteindre son sommet plus rapidement selon plusieurs euh, observations euh, de gens qui suivent le Soleil. Et le Soleil a... Euh, peut-être un impact, surtout avec ces tempêtes solaires géomagnétiques qui nous touchent, pas toujours. Des fois, le... les trous coronaux sont orientés euh, dans une autre direction que celle de la Terre. Mais ça a provoqué des événements majeurs. Je viens parlé euh, ces derniers jours avec, euh, par exemple, l'événement Carrington. Là, maintenant, il y a eu deux séismes majeurs qui viennent de frapper la Chine. Euh, quatre séismes, c'est-à-dire quatre séismes puissants au cours des deux derniers jours et dont un de qui vient de se produire de 7.2. Est-ce que ce serait lié à une activité solaire accrue? C'est ça qu'on se pose comme question. De fortes secousses ont été ressenties à Delhi et dans la région de la capitale nationale. Tard dans la soirée, le sisme d'une magnitude de 7.2 a frappé la partie sud du euh, Xinjiang en Chine. Jusqu'à présent, aucun... Aucune victime ou blessure n'a été constatée. D'ailleurs, ou destruction n'a été signalée. Dans un, mes un message publié sur X, anciennement Twitter, le Centre national de sismologie a déclaré que le séisme s'était produit à une profondeur de 80 km. Donc, c'est quand même profond. Et on voit euh, l'épicentre ici. De légères secousses ont été ressenties pour la dernière fois à Delhi euh, le 11 janvier, après qu'un séisme de magnitude 6, de 6.1 et frappé l'Afghanistan, l'épicentre du séisme se trouvait à 241 km au nord-est de Kaboul. Les secousses ont été ressenties même au Pakistan. Plus tôt dans la journée, un séisme massif a frappé une région reculée et montagneuse du sud-ouest de la Chine, dans lequel 47 personnes ont été enterrées. Plus de 200 personnes ont été évacuées d'urgence de la zone, a rapporté la chaîne de télévision publique. Le glissement de terrain s'est produit à 5h51 dans le comté de Zhenjiang, province du Yuan, a rapporté l'agence de presse officielle. Cette activité sismique accrue pourrait-elle être liée au soleil, au cycle soleil, solaire, solaire du 25e très actif Au moins deux gros filaments magnétiques se sont euh, produits ou ont été lancés dans les trois derniers jours et les CME qui en résultent se dirigent vers la Terre, leur activité consécutive leur arrivée consécutive, sera, on les attend les 23 et 25 janvier, donc aujourd'hui, devrait provoquer des tempêtes géomagnétiques de classe G1 et G2. Pendant ce temps-là, on a euh, Strange Sound qui nous rappelle, rappelle que des tremblements de terre dévastateurs pourraient frapper près de 75 du territoire américain. Des tremblements de terre dévastateurs pourraient frapper près de 75% du territoire américain selon une nouvelle étude de la USGS, uh, uh, la fameuse uh, US Geological Survey. Les scientifiques utilisant le modèle national de risque sismique ont créé une, une carte à code couleur indiquant les endroits où des tremblements de terre dangereux pourraient se produire dans le pays. La carte est basée sur des données historiques et des études sismiques des zones et a été mise à jour à partir de... De la dernière version publiée en 2018, la Californie, naturellement, a été identifiée, a été identifiée comme étant particulièrement exposée au risque de secousses ce dommageables. Cependant, cela n'est pas surprenant puisque l'État se trouve sur la fameuse faille de San Andreas, qui euh, a des mouvements qui déclenchent chaque année environ 10 000 séismes dans le sud de l'État. Beaucoup de ces tremblements de terre sont sceptiques, ils ne sont même pas ressentis, mais il y a plein d'autres régions. Euh, où on pense qu'il pourrait y avoir des tremblements de terre majeurs. Alors, les, les États, les pays commencent déjà à se préparer. Ces gens-là savent exactement ce qui se passe, connaissent les cycles du soleil, connaissent l'impact de ces cycles-là. Si tu vas dans l'ancienne littérature, tu regardes le, 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 le dernier euh, grand minimum solaire important, celui de Mander. Il fait mention de, de beaucoup de tremblements de terre, beaucoup d'activités sismiques, et j'en passe. Pendant ce temps-là, il y a eu plein d'autres... Euh, cataclysmes qui ont frappé euh, dans le monde. Il y a eu des, pré des précipitations sans précédent, à San Diego, imaginez-vous, qui ont provoqué des inondations et des pannes de courant historiques. Et on revient sur différents euh, événements aussi. Il y a eu beaucoup de boules de feu qu'on voit dans le ciel. Il y en a qui ont été vues euh, hier euh, en Espagne et au Portugal. Il y a eu euh, le fameux volcan Merapi qui a provoqué des... Euh, Chutes de cendres et des euh, coulées pyroplastiques qui ont recouvert des communautés voisines du volcan en Indonésie et plein, plein d'activités sismiques un petit peu partout. Ça continue en Islande aussi. Et des tempêtes qui frappent partout. Il y en a qui sont saisonnières, mais on le voit, il y a des, euh, beaucoup de tempêtes qui sont hors saison et qui viennent frapper euh, un peu partout dans le monde. Il y a des règlements qui se produisent. Il est provoqué par quoi? Plein de facteurs, mais n'oubliez jamais le soleil. Vraiment très important dans tout ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description, ces petites informations-là.